25 ans après avoir lancé l'album Paix au Vietnam, Rocky Bertrand et les productions Music for the Cash ont décidé de relancer le même album adapté à la situation actuelle, Paix en Afghanistan. Les grands moments de tension qu'on vit présentement m'ont grandement inspiré pour la sortie de cet album. Ça, puis la vie de saisie du huissier. Là. Rocky Bertrand a passé des semaines entières en studio pour adapter les chansons de son album Paix au Vietnam. Qu'est-ce qu'on fait, non, au Vietnam? Pourquoi envoyer nos jeunes en mourir au Vietnam? C'est humide, c'est boiteux, c'est la jungle, puis en plus, y a des gars de merci. Y a rien là. Paix en Afghanistan avec Rocky Bertrand. C'est aussi des bouts de vécu inventés par Rocky pour bien nous faire saisir l'horreur de la guerre. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale et j'ai toujours été fier de lui. C'était pas facile, la Deuxième Guerre mondiale. Dans les tranchées, les obus partout. L'odeur de la mort. Oh non! Oh non! Rocky! Excuse-moi, le grand. Je voulais juste mettre un peu d'émotion. À cet album ont été greffés des témoignages de victimes de la guerre qui ont un message à faire passer. Je suis Nestor, un robot. Moi, je peux remettre mon bras. Vous pas. Jouez prudemment. Vous entendrez aussi en exclusivité la réaction en direct de Rocky Bertrand visionnant les images de la guerre en Afghanistan. OK, tu peux te remettre ça à Scooby-Doo? Vous retrouverez également sur cet album, à la demande générale, la célèbre chanson sur la paix, interprétée par Rocky, live à l'émission Cela est encore drôle. La guerre, c'est pas correct, parce qu'il y a des morts, pis c'est pas gentil. Profond, hein? Merci. C'est tout? C'est tout. Oh, bon, vas-y, non. Non, encore, Rocky. La gare, c'est pas correct, parce qu'il y a des morts, pis c'est pas gentil. Rocky a toujours eu le cœur plus gros que la panse et a gardé une minute de silence pour les victimes de la guerre partout dans le monde. Cette minute de silence, d'ailleurs, qui est un des moments forts de cet album. En voici un extrait. Touchant, n'est-ce pas? En voici un autre extrait. Procurez-vous maintenant l'album « Paix en Afghanistan » avec Rocky Bertrand. Tous les profits iront directement aux victimes de la guerre. Avec ça, ils devraient être au moins capables de s'acheter un sac de farine. « Paix en Afghanistan » disponible dans tous les Walmart, dans la section sous-vert. Une présentation Stephen Furlatt.